mon plaisir numéro un, ce qui a toujours été mon plaisir toute ma carrière, toute ma vie, ça a été le pilotage. C'est vrai que je ne suis pas un technicien, un vrai technicien, comme on entend dans le sens des grands ingénieurs, des trucs comme ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le pilotage pur et dur, me bagarrer avec n'importe quoi qui roule. Mes débuts en sport automobile, je les ai faits avec une Renault. J'allais dire, bien sûr, ce sera dans ma carrière, c'est bien sûr, mais avec une Renault 8 Gordini dans les années 67. Voilà, ça a été mon début de carrière. Et j'ai économisé pendant 4 ans. J'étais chauffeur routier, j'étais chauffeur routier à 18 ans. Dès mon permis en poche, j'étais chauffeur routier. Et au bout de 4 ans, j'ai pu m'acheter ma Renault 8 Gordini. Mais c'était la voiture, tous les pilotes connus qu'on a eu en France ont débuté pratiquement tous par la Renault 8 Gordini. C'était surtout des copains du village où j'étais, qui, voyant que je conduisais très bien déjà ma 4 chevaux Renault, j'avais une 4 chevaux Renault que j'avais achetée aussi à crédit, pourtant c'était une petite 4 chevaux. Ils trouvaient que j'avais un bon coup de volant, ils m'ont dit il faudrait que tu fasses des courses de voiture. Alors j'ai pris ça un petit peu à la rigolade et puis finalement je me suis engagé quand même à mon rallye qui était un rallye national et c'était le rallye du Vaucluse parce que je suis natif de Carpentras. Et là d'entrée ça a marché. Et puis fin 72, on m'a fait une proposition, Antar m'a fait une proposition pour m'essayer un circuit. Je suis allé faire leur petit truc là. N'ayant jamais fait de circuit du tout, j'ai fait un très très bon temps sur un tour. J'ai fait le deuxième temps total sur 5, mais il n'y avait que des pilotes de monoplace qui étaient là. J'étais le seul rallyman. Et vu mon meilleur temps réalisé sur un tour et mon deuxième temps total, ils m'ont fait une proposition de contrat. Et moi, je me suis dit, bon, puisque je veux tout connaître, allons-y, essayons le circuit. Et je suis parti sur le circuit pendant 3 ans. Et là, en 76, on m'a fait une proposition pour revenir au rallye chez Renault. Alors là, c'était mon premier vrai contrat de pilote d'usine chez Renault. Et bien sûr, après avoir tâté les deux disciplines, je me suis dit, le circuit, c'est bien. On peut devenir célèbre ou riche ou mort. Tout peut arriver en Formule 1. Et puis, si je suis riche, je vais être obligé d'aller habiter en Suisse. Alors, je préfère le rallye et habiter en France. Le rallye de Monte-Carlo 1978, avec une petite Renault 5 Alpine de 135 chevaux. On termine deuxième au classement général derrière Jean-Pierre Nicolas. Et ce rallye-là, même en terminant deuxième, pour moi, reste le moment le plus fort, je dirais. Et on a eu des tempêtes de neige, on a eu des routes bloquées, les endroits ont passé de justesse. Et avec notre petite voiture de 135 chevaux, on a failli créer l'exploit. Et pour moi, ça faisait partie de mes meilleurs souvenirs. Comme je disais, souvent mieux qu'une victoire. Non, je suis quelqu'un qui ne sort pas trop les sentiments comme ça. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ouais. En général, j'évacue ça assez rapidement. C'est-à-dire, quand je gagne une course, je suis content, mais je ne fais pas des bonds de 2 mètres. Et quand je perds une course, je suis malheureux une ou deux minutes, mais malheureux, je veux dire, sans pleurer, et en me disant, dommage, on n'a pas eu de bol, tout ça. Et puis, la première rencontre, personne que je rencontre 5 minutes, 2 minutes après, je commence déjà de plaisanter et puis de penser au rallye suivant. Ouais, faut être positif.